Ouais, non, mais c'est bon, je vais faire le. Je vais faire le jingle. Je vais faire le jingle parce que là, ça sert à rien, je suis là, j'ai trop envie de vous parler et tout, donc. Ouais, alors je t'explique. Salut Arpéis! Alors, exactement, Corben, il ouvre la bouteille. Bah, tu as tout à fait raison, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Salut MX Maxime, un jour j'aurai Larios comme sponsor. Non mais attends, et bientôt là, est-ce qu'il se passe il va me falloir des sponsors VPN là. Grâce à SudVPN, je peux aller sur les sites de porn que je veux sans me faire blaster par le gouvernement. Vous avez vu, non? Ouais, alors donc je vous explique. Salut Walbatou. Je vous explique. Non mais il y a une raison, il y a une raison. Fiat Minimis dit, je préviens, je suis plus rebou que mon maître. Attends, attends. Non, je suis pas, ça va, ça va, je suis pas, ça va, ça va. J'ai papier d'identité, mais tu m'étonnes. Alors attends, attends. Non ouais, on est bien lundi. Alors en fait, non, je vous explique. Je vous explique. En fait. Vous allez voir, c'est très simple. Cette semaine, c'est l'anniversaire de ma soeur. Et ma soeur vient ici, à Valence, pour le fêter avec mes parents et moi. Et elle arrive demain. Tu vois? Et voilà, elle a prévu plein de trucs. On va aller au resto, on va aller en club, là, machin. Et du coup, tu vois, enfin, ah, je la vois une fois tous les. Hey, Axel Bief, merci à toi. Axel Bief qui vient de se sub en tier 1 pour le 12e mois déjà. Putain de merde. Merci beaucoup, Axel Bief. Et attends, c'est pas tout. Il y a un merci aussi à mon Fixou préféré. Fixou, je te fais des gros gros bisous. Bouah, Léa qui est là et tout. Mais hey, bon, je vais faire ça moi tout le temps maintenant. Je vais faire le jingle en fait. La police arrive. Bah, j'ai rien fait encore. Attends, il se passe rien. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Tiens, bah, puisque j'ai ouvert avant, je trinque avec vous. Tri dit, tu vas la voir beaucoup plus. Elle va essayer de te caser avec toutes ses copines. Non, non, non. Alors non. Alors non, non. Non, je te garantis que non. Ah la vache. À la vôtre. Non, non. Non, non, au moins. Non. Bah, déjà, elle me connaît. Donc, elle a pas envie de se fâcher avec ses copines. Et ensuite, non, non. Non, c'est un mauvais plan, ça. C'est un mauvais plan. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des copines de ma soeur qui sont extrêmement bonasses. Hein. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a deux, trois. J'avoue, j'avoue. Ouais, exactement, exactement, Léa. Non, 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 pas mon frère. C'est quelqu'un. Tréguy dit, c'est un mauvais plan. Petit regard en coin pour se demander si c'est vraiment un mauvais plan. Non, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas, c'est vraiment, non, c'est pas un bon plan du tout. C'est pas un bon plan du tout. Après, non. Non, 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 vraiment, vraiment, c'est pas du tout un bon plan. Puis en plus, ses copines, elles habitent à Paris. Elles ont toutes des carrières de grosses winneuses en France et tout. Et alors, je vais vous dire, dans les éléments. Ouais, drama, direct. Dans les éléments qui ne peuvent pas arriver. Tu vois, il y a des choses, ça peut pas arriver. Bah, moi qui retourne vivre en France, ça peut pas arriver. C'est mort. Totalement mort. Non, mais elles ont. Ben non, mais tu rigoles ou quoi? Ben non, mais Léa, ma soeur, elle a 10 ans de moins que moi, c'est tout. Ça marche là, c'est bon. Oh. Je peux bien serrer les gamines de 35, ça va. Un peu plus. Salut, Kitter Sosé. Donc, oui, non, mais faut jamais dire jamais. Non, mais ouais, non, mais c'est une horreur, Léa, ça me perturbe de ouf ces histoires d'âge là, vous savez pas. C'est pour ça que je me cartonne au. Ah, il faudrait que je vous parle du NMN. C'est mon nouveau. Non, j'avais déjà parlé du. Non, en fait, j'avais parlé du NR. Nicotinamide ribosine. Mais là, j'ai switché à une autre.
NMN, pas M&M's. NMN. C'est non, on fera je vous en reparlerai une autre fois. Là, non. Alors, hey, ce soir pareil hein. Hey, la dernière fois vous m'avez pas cru, on n'a pas drifté. Et ce soir c'est pareil. On ne drifte pas. On ne peut pas. On peut pas parce que là encore. Ah ouais, tiens d'ailleurs. Non, je fais ça pendant que. Pendant qu'il y a le jingle et tout là. Mais attends, faut. Ah voilà, ça. Voilà. Là encore, on a. On a masse de trucs. Masse de trucs à voir. Masse. Eh tiens. Fiat Minimis qui dit. Est-ce que tu vas au CrocoFest organisé par Retro Redrum? C'est où, c'est quoi? Triggy dit, on va pas drifter techniquement, rentrer dans 10 fois plus de détails, couvrir que le quart du scope, c'est pas un drift. Alors après, hey Arpenteur, salut, des bisous. Alors après, non, alors je suis d'accord. Allez dans le détail. Monsieur le Finnois, des gros bisous à toi. Aller dans le détail des trucs, c'est pas un drift. Hein. Moi, au contraire, hein, si, plus on va rentrer dans le détail des trucs, plus je vais kiffer. Hein. Donc, non, là, non, mais j'ai pas commencé. C'est pas du tout Tipa. C'est pour l'open bar là en fait comme je meurs d'envie de parler avec vous. Du coup je fais pas, tu sais, je mets le jingle mais vite fait et puis voilà, je parle de tout n'importe quoi. C'est une intro d'intro. C'est un concept, c'est pas de moi. C'est un concept qui a été inventé par Yves Yordian pardon. Oh. Ah ouais, j'ai pas tant bu que ça, hein, je vous promets. C'est l'apéro. Salut Full Twist, disons, ça faisait longtemps. Oui, c'est pas, j'ai dit Yves en premier, mais après j'ai dit n'importe quoi sur son nick. Je drift avant l'intro. Non, ouais, c'est pas du drift. Pas du drift, c'est du. Je vous raconte des trucs. Donc, ouais, alors c'est ça. Donc, du coup, pourquoi c'est lundi? Bah, parce que voilà, demain, il y a ma soeur qui débarque. Et on a prévu plein de trucs, c'est son anniversaire, machin. On se voit pas souvent, elle vient pas souvent, donc du coup voilà. Et alors, bah tiens, dis donc, c'est Tipar. Et quand c'est Tipar. Hop. Les Lutinos. C'est Tipar. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, on va quand même se donner 5-10 minutes, hein, on n'est pas aux pièces non plus. C'est quand même un open bar. Hein. Et alors voilà, alors c'est ce que j'allais dire, Triggy. En fait, déjà, la première chose que je m'étais noté à dire, c'est un gros bisou à Rancune. Parce que en fait, là, je suis en train de bouffer sur son live à lui, et il a gentiment droppé son live pour me laisser la place. Donc je sais pas si tu nous écoutes tranquille, mais si tu nous écoutes ou si tu nous vois en replay machin, je te fais des gros bisous. C'est vraiment super cool de ta part. Ouais, franchement. Et je suis pas bourré, hein. Pas du tout. Mais loin. Je vous le dis, on a une commu en or. Mais littéralement en or. Entre Rancune, entre Fixou, entre Virtual Labs, entre Yorzian, entre. Qui j'oublie. Enfin. La commu FR là, elle est. Elle me fait vraiment kiffer, quoi. Ouais, ça, Rancune, il a une commu en silicone et plomb et étain. Chavenet, il dit la commu Power Mix. Nidouille!
Ah mais Nils, bien sûr, putain, j'ai oublié Nils. Mais oui, Nils, évidemment. Franchement, ça blast. Ça blast, ça blast. Salut, tu vois, mon geek. 4 minutes, qui dit les devs PHP de gauche. Alors moi, salut Tartampion, moi je vais faire comme, comme sur GCU. Hein. Sur ici, là, c'est InnoPolitics. Y compris woke. Les woke n'ont pas leur place. Police du Wokistan. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Alors tu sais, je vais pas faire de politique, mais je vais profiter du, je vais profiter de l'intro sur un truc. Vous avez vu le truc là que le gouvernement machin France là là, ils vont, enfin en tout cas ils disent, ils veulent bloquer les sites de porn aux moins de 18 ans. Ils ont toujours plein d'idées, hein. Ils ont toujours plein d'idées. Ils ont aucune putain d'idée de comment tout ça fonctionne. Mais rien. Ils n'ont pas la moindre fucking idée de comment tout ça fonctionne. Mais ils vont interdire l'accès au site de. Ben, je suis sûr que YouPorn, Pornhub. Tout ça, Léa qui dit « Ah, j'en reviens, je highlight sur porn. » Alors c'est sûr, hé, la Terraluse, salut à toi, des gros bisous. Oui, bah voilà, ouais, c'est ça, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti cette idée du carton, c'est régulier tous les 6-7 ans. Alors c'est soit ça, soit la lutte contre le terrorisme, soit... Bon, en tout cas, ils reviennent régulièrement avec « Bon, bah, les gars, va quand même falloir quand même, trouver un truc là pour... » pour snooper les infos des gens là, parce que c'est relou là. Donc non, mais ça va être rigolo, ça va être, je suis sûr que les régies mafieuses qui tiennent les grosses régies de porn vont être ultra attentives, hein. Truc gouvernement, ils vont là, oui, parce que il faut le faire, ah oui bah oui t'inquiète pas, on va le faire, bah d'ailleurs je pense que Elon Musk il a vraiment bien entendu, hein, ce que Macron truc lui a dit de je sais plus quoi d'ailleurs. Tu sais, le mec il a tel président de la France, une espèce de crotte de nez dans l'échiquier mondial qui se la joue et tout. Ouais, il va falloir faire comme ça et tout. Oui. Ouais, grave. Je vais faire. Ah ouais, trop balèze. Bien. Bah écoute, ça roule. Écoute, c'était vraiment sympa. Tu peux retourner dans ton bar maintenant. Moi, je vais aller gagner plusieurs milliards. Allez, salut. Et voilà, et ça va faire pareil. Tu vois, là, t'as les régies russes qui tiennent les trucs de porn. C'est quoi le truc en haut de l'écran? Ben c'est mon hack pour éviter qu'il y ait... Parce qu'en fait, ça ici, c'est une lampe. C'est un vieux slip. Non, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt. En fait, là ici, il y a une lampe. Ok. Et elle donne pile là, tu vois. Donc le samedi, ça marche parce que j'ai la lumière du jour. Salut Rolling Phoenix. Hey TarGZ, salut à toi. Non, c'est pas un artefact. Non, c'est ma lampe où j'enroule un t-shirt autour pour éviter que ça vous aveugle. Non, mais j'ai pas trouvé un nidouille. Hein. Les caméras espions, j'ai vraiment fait le tour là. Non, a priori, c'est bon. Rigidi, je veux dire, si ça choque personne. Non, si ça choque presque personne. Que tu patches tes cardelles en binaire. Pourquoi ça choque que tu patches ta lampe avec un vieux t-shirt? Exactement. Exactement, il n'y a pas de... Voilà, c'est pareil. Ça tient avec une pince à linge. Hein. C'est-à-dire, je tourne le t-shirt tout là, pff, hop, et une pince à linge. Ça marche. Non, j'ai vérifié, ça chauffe pas. Hein. Non, ça va. Non, ça chauffe pas. Non, je vous promets, ça chauffe pas. J'ai été touché plein de fois, ça chauffe pas. Ici, c'est porn BSD, mais grave. Ok.
Je me demande si je démarre pas direct là, parce que mais bon, on est 72, la bataille, j'ai fait ok, boum, c'est passé de 69 à 72. Ouais, je me demande si je vais pas commencer direct là, bim, j'embraye, parce que, wow, mais ouais, mais il y a encore du monde qui arrive. Salut DDPPTW, DDPPTW. French Rav qui dit, je me suis bien rempli le bide au buffet asiat. Eh ben écoute, à être 69 pour parler du porn, évidemment, normal. Salut Curtisis. Ah, ok, j'attends un petit peu parce que y a encore du monde qui arrive là. Il lui fait, t'es fou, les mecs du Fosdem sont encore KO. Bah ouais, mais Allez, voilà quoi. Non mais j'annonce, hein, l'année prochaine j'y suis au Fosdem. Hein. Direct. Je vais aller mettre un peu de vibe sur le stand NetBSD. Là, je sens que c'est un peu faible. Eh, y a des gens là qui étaient. Bah oui, Hardware, tu y étais au Fosdem là. Corben, parlait pas trop fort. Eh Corben, j'ai un bug de dégueulasse là. Ouais, je vais t'en parler, mais c'est je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Ok, je fais une parenthèse. Non, parce que je veux pas spoil. Ok, t'as vu un stand, il y avait le stand NetBSD ou pas? Ah putain, tu me mets la blase là. Hardware, il dit c'était génial, bon esprit avec les lutinos présents et tout. Putain, je suis vénère. Hein? Comment ça, il y avait pas de stand NetBSD? Ah sérieux? C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on fait plus le... Bon allez, moi tu sais quoi? Allez, tu sais quoi, j'annonce. L'année prochaine, je gère le stand de NetBSD. J'annonce, direct, j'annonce, c'est géré. Corben, tu peux le dire à board. Ouais, stand GCU NetBSD, putain, je vais redonner ces lettres de noblesse, moi je vais te dire. Comment ça, ils ont refusé? Du coup, ça, ils ont refusé? Quoi cette histoire? Salut, qui est Ferboul? Eh, pimpin au Fosdem serait pas mal, ça, par contre. Hein. Non! Ah putain. Bah c'est chelou non, c'est quoi? C'est pas, parce que pas assez de place, pas assez de budget, pas assez de quoi? Ouais voilà, bah pareil que même question que Triggy, est-ce que problème de place ou de politique? Ah, problème de place post-Covid, ok. Covid, c'est comme... Covid, maintenant, c'est comme... C'est comme la lutte contre la pédopornographie et le terrorisme. Maintenant, c'est l'excuse passe-partout, tu vois. Moi, ok. Fred Schraff dit, supposément pour que les gens soient moins serrés, because Robert, ok. Eh, dites-moi, là. Parce que j'ai complètement merdé. Alors je vous le dis, j'ai complètement merdé. Je vais être un peu off. Non, c'est bon. J'ai une question à vous poser. Donc là, je viens à Paris dans 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines. Habituellement, quand je vais à Paris, je reviens avec la mort tout le temps. Et en fait, alors j'ai complètement oublié. De me faire le rappel Covid numéro 223. Et là du coup c'est trop tard parce que bah les rappels là c'est ça met un certain nombre de semaines à être actif, donc là je l'ai pas fait. C'est vénère là en France ou pas le Covid? Non parce que Nidou a dit les rappels en France tout le monde s'en tape. Ouais non mais c'est pas... Ouais mais ouais alors les grèves d'accord. Tout le monde s'en tape. Ah creux de la vague actuellement. Ah sérieux?
Ah putain, c'est cool ça. Axel Bigaf, il dit, j'ai fait du pari ces derniers temps, sans rappel et zéro souci. Oh putain, eh, vous me rassurez de ouf. Tout le monde s'en fout. Je vois personne porter... Ouais, alors par contre, je fous le masque. Parce que le truc, ce qui se passe, c'est que à Paris, bah, vous êtes confronté au choléra en permanence. Moi ici, alors bah, déjà, dans la Pampa, je rencontrais personne à part des arbres. Et là, ici, bah, je passe globalement mes journées à hacker des trucs. Donc voilà, je rencontre pas non plus des masses de monde. Ok. Boris qui dit, plus personne, salut Boris, ayo, plus personne n'en parle, dans les entreprises aussi d'ailleurs. Ok. Nidou qui dit, masque dans le transport en commun, minimum, Crassland qui est pareil. Mais, ah putain, eh, ça m'a tué ça. Et quand je suis, eh, je vous jure, quand t'es, tu sais, quand t'habites dehors et que tu viens, et je sais pas si vous vous rendez compte, quand t'habites pas à Paris, je sais pas comment c'est dans les autres villes, hein, mais quand t'habites pas à Paris, et tu vois par exemple ici Valence, honnêtement, hein, c'est propre, c'est super clean, il y a, enfin, voilà. Et t'arrives à Paris, et c'est, je te jure, t'as l'impression d'être dans une espèce d'immense bidonville dégueulasse, enfin, dans un truc, tu vois, film science-fiction, où t'as une grande ville et tout, mais qui a été infesté par je sais pas quoi, enfin c'est absolument horrible. Je meurs d'envie de revenir chez moi à chaque fois. Non mais c'est, enfin je vous le dis en tant que quelqu'un, je suis parti moi il y a 7 ans maintenant, je suis parti en 2016 et je trouve que c'est choquant. Moi ça me choque en tout cas, pour avoir vécu, j'ai vécu 40 ans à Paris, hein, les amis. Mais là, quand j'y vais, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça vraiment sale, quoi. Bon, allez, on y va. Il est 20h45. Les petits lutinos. L'heure est grave. Alors, rappel des faits. Salut, Legion of Penguin. Un fort bonique. Ça va trancher lui, Carnel. Rappel des faits. Essayez de le faire dans l'ordre. Il y a fort longtemps, j'avais lancé un projet de micro VM NetBSD. Mais qui était hyper relou à mettre en place parce qu'il fallait recompiler un kernel et tout, c'était extrêmement chiant. Et il n'y a pas longtemps, un peu plus d'une semaine, je me suis demandé s'il n'y aurait pas une méthode différente, salut Sofiane, pour accélérer le boot d'un kernel NetBSD. Comment on fait? Oula. Okay, deux secondes, j'ai fait tomber plein de trucs. Bon, c'est pas grave. Ils sont ici de toute façon. Comment on fait? Alors ça, c'est valable pour là. Je prends NetBSD comme exemple, mais c'est absolument tout à fait applicable à n'importe quel type de kernel, en fait, que ce soit Linux, que ce soit FreeBSD, que ce soit n'importe quoi. Comment on fait pour qu'un kernel il boot plus vite? Comment on fait? C'est quoi qui prend du temps? Bah, c'est l'initialisation de... On lui demande, bah ouais, mais non, enfin oui, on peut lui demander. Mais c'est quoi qui prend du temps dans un kernel qui boot? Exactement, Rollin Phoenix, c'est attends, j'ai un driver pour le son, vas-y, on va voir s'il y a un truc qui correspond. Exactement, DTPPTW.
Est-ce que il y a un truc à l'adresse X et Y qui... Ah, je parle même pas de... je parle même pas encore de système D, hein. Je parle vraiment juste du kernel. Salut Zoul. Est-ce que il y a un truc que je sais supporter? Hop, balayage de tous les de toutes les adresses PCI. Est-ce que il y a un truc sur tel bus que je connais? Allez, balayage de tous les ports machin. Bref. Les périphériques, ça prend du temps. L'initialisation de tous les périphériques. Le balayage et exactement, absolument, même les bus ISA, t'as tout à fait raison, Chavenet. Le balayage de tous les périphériques, ça prend beaucoup de temps. Bon. Alors, la solution... on va dire ça. La solution... banale. La solution banale, c'est de recompiler un kernel en désactivant tout ce qui est possible et en ne laissant que les trucs dont on a besoin. Donc ça, sous NetBSD, c'est très très facile à faire. Il y a un fichier... tiens, je vais vous montrer. Bougez pas. Hop. Alors on va aller sur dessus pour remarquer oui, en fait là. Sur ces sites conf. Pas simple. Ouais. Ah oui, c'est ça, Arch. Arch. I386. Et générique, voilà. Donc, c'est... Alors, la compile d'un kernel sous NetBSD, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que... Et alors, ce qui est très classe... Là, je fais un peu de... Je fais un peu de prosélytisme. Ah bah oui, bien sûr, M. Santuca, mais pas que. Hein. Ce qui est très classe... Ce qui est très très classe, c'est que, alors, je sais pas si je l'ai fait quand on a fait 2.11 BSD, mais c'est que cette structure là, elle est la même depuis 30 ans quoi. Non, plus que ça en fait. Non, plus que ça, de 40 ans. En fait, on a des fichiers. Un fichier, comme ça, qui décrit les drivers que le kernel est en mesure... Alors, des drivers et des options. Ok, genre support de certains file systems, etc. Salut Coding Monjoie. Et là, en l'occurrence, voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce genre de truc-là. Là. Hop, les devices, nanana. Voilà, tout ça, là, c'est des drivers. Hein. Et pour ceux qui ont... Sofiane dit, vous avez des tiers support sur NetBSD ou pas? C'est quoi les tiers support? Oui, même pour... Absolument, Fixou, hein, même pour Dreamcast, absolument. C'est quoi tiers support? C'est genre des drivers tiers qu'on peut inclure ou pas, c'est ça? Donc je suppose que oui, mais je t'avoue, je me suis jamais intéressé à la question. Et donc voilà, tu vois, là on a des priorités sur le support. Oui, alors oui, c'est ça, absolument, ouais, c'est comme Nick Corben, on a trois tiers en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, effectivement, oui, non, ça on a, ouais. D'ailleurs, ça avait fait un peu de bordel à l'époque. Et donc voilà, ces drivers-là,
Ils sont organisés sous forme d'arbres, c'est-à-dire que bah, on a le main bus, et puis sur le main bus il va y avoir le PCI, puis sur le PCI il va y avoir les drivers, des trucs qui sont branchés sur PCI, etc. Enfin voilà. Et globalement, si on veut, en tout cas, si on veut faire les choses normalement et qu'on veut alléger un kernel, eh ben, on va faire par exemple ceci et on va avoir un fichier de conf très très petit avec uniquement les trucs dont on a besoin dans le kernel. D'accord? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ça, c'est la méthode, disons, normale pour obtenir un kernel plus léger. Je fais pas tout l'historique hein, du projet Fake Cracker, etc. Hein. Ça, c'était on l'a vu la dernière fois et il est sur YouTube. Bon, ça, c'est la méthode normale. Hop, on enlève ça. Je vous ai montré la dernière fois une feature de NetBSD qui permet de désactiver un driver au boot à travers le bootloader. Et on va machine net. Vous montrer, voilà, on a un fichier slash boot.tfg dans lequel on peut potentiellement désactiver des choses. Ok, là on ajoute userconf disable tel driver et ça disable tel driver. Donc la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est que pour voir comment ça marche, on a booté sur userconf. On a désactivé un driver et effectivement on a vu que ça le désactivait. Bon. Maintenant, mon objectif à moi, c'est de starter. Non mais attends, on y vient, quitte à se poser la routine avec GDB. Hein. Là, justement, c'est là où je vais. C'est là où je vais. Je résume rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. Et là, on va faire des vrais trucs. Et on va voir comment. désactiver en masse des choses dans le kernel. Donc, la dernière fois, on a vu qu'on pouvait faire ça avec userconf. Bon. Toutes les routes mènent à GDB. Effectivement, toutes les routes mènent à GDB. Alors attends, je ne me rappelle plus comment s'appelle le fichier. Ah, le morceau du code kernel. Attends, bouge pas. C'est userconf. Ah, il est là. Super userconf. Ouais. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous ai montré la dernière fois, il y a une feature du kernel qui s'appelle userconf donc et qui permet de désactiver à la volée, non pas à la volée, qui permet de désactiver avant le boot des drivers pour pouvoir bah, simplement ne pas avoir faire en sorte que le kernel ne cherche pas à initialiser un driver lorsqu'il démarre et donc potentiellement s'éviter des ennuis. Je vous avais expliqué la dernière fois l'histoire de la souris qui merde sur le laptop. Voilà. Et moi, j'ai regardé ce que fait ce morceau de code du kernel. Ce morceau de code du kernel, je vous avais montré la fonction disable qui manifestement, enfin, a un define qui met une certaine valeur dans un certain tableau
pour désactiver un driver. Alors, si je regarde ce que c'est que ça. Hein. Attends, où est-ce que c'est? Ah oui, non, bah non, parce qu'elle n'est pas define ici. Donc, ça met une valeur quelque part. D'accord? Ça met une valeur quelque part. En fait, la définition... Là, c'est un petit résumé, là. Hein. La définition de ces valeurs-là et de des endroits où tout ça est fait, c'est dans 6device.h. Device.h qui littéralement définit comment on déclare un device dans le kernel. Et alors là, effectivement, on voit qu'il y a des define là qui ont l'air très intéressants. Et on voit que fstate des stars, c'est 3 et ça dit has not been found and disabled. Alors ça a pas l'air mal. Ça veut dire que il y a une valeur qu'on peut mettre, qu'on peut setter dans le kernel pour disabler un driver. Ok. On avait finalement été regarder les symboles. Ou plutôt, la documentation, avant tout. Bougez pas. Juste pour retrouver, c'est juste pour faire le truc complet. Hein. Hop. On avait finalement Firefox, en se documentant un petit peu, été lire comment fonctionnait tout le merdier d'attachement et de découverte de matériel. Pour se rendre compte que il y a une structure. Attends, est-ce qu'elle est ici? Oui. Il y a une structure qui s'appelle CFData dans laquelle apparemment il y a les informations liées au driver. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais de façon extrêmement innocente? Je regarde les symboles avec NM. Il y a dans mon kernel. Je l'ai appelé full parce que c'est celui qui n'est pas modifié. Et je greppe sur CFData. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, j'ai un symbole CFData dans mon noyau. Vous me suivez jusque-là? On commence le vrai truc là. En l'occurrence, ça se trouve dans data. Ce n'est pas la heap. Ce n'est absolument pas la heap. Parce que ce n'est pas un truc dynamique. C'est une information sympa. C'est important ce que tu dis, Kitter Sosé. Parce que c'est une information qui est littéralement inscrite dans le point data. Donc vraiment dans les informations statiques du kernel. Où il y a un tableau. Avec la liste des drivers qui sont activés ou pas, en tout cas des drivers qui sont compilés. Et donc ce qu'on a fait, c'est évidemment tous les chemins mènent à GDB comme d'habitude. On a fait un petit GDB kernel. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit... Comment tu trouves le début du tableau? Bah, justement, le début du tableau,
j'ai l'impression qu'il est là. Salut MMUman. Ah, il y a Petrus, j'ai pas vu. Salut Petrus. Peter Green aussi. Merde, j'ai raté plein de monde là. Eh, je suis désolé, comme je suis un peu concentré là. J'ai raté plein de monde. Alors. Ouais, alors, on peut faire XX. Au début, simplement pour vérifier si le truc est là. Je print. Et 2, CF data. Est-ce que ce truc-là est présent? Oh. Et puis dis donc. Eh. T'as l'air de sentir bon cette histoire-là. On a un truc. Qui a cette adresse-là. Qui a le symbole CF data. Ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Alors je vais regarder effectivement. Ce qu'il y a. À cet endroit-là, on va prendre 20 words en hexa, juste pour voir à quoi ça ressemble. D'accord ? Je veux regarder ce qu'il y a à cette adresse sur 20 words, donc des words là, c'est 32 bits, pour voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est ce qui est chouette. Quand vous regardez un truc comme ça, c'est de repérer. Oh là 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 là! Attends. Oh putain, il y a Anonymous Gifter qui se vénère là. Anonymous Gifter qui vient de gifter 5 tier 1. Anonymous Gifter, un jour. On te chopera. Ça veut dire quoi le N et le M de NM? Ouais, faut voir, man. Bah, j'en ai aucune idée, non. Aucune idée. Anonymous Gifter, des gros bisous à toi. Triggy qui dit, t'inquiète, j'ai deux ans de data sur qui est connecté et quand Anonymous Gifter a donné, il n'y a plus qu'à faire un petit script. Non, c'est pas écrit dans le man. Karken qui dit, salut Karken, qui dit name, ça pourrait hein. Le N et le M de name. NM c'est pour Nevermind, tu m'étonnes. Donc, c'est ce qui est chouette. Ça c'est valable pour tout ce qui est reverse engineering. En fait, ce qui est chouette, c'est quand vous trouvez des patterns. Et vous voyez là, les deux premiers words, ils ont l'air d'avoir la même valeur. Puis il y a ça. Avec en particulier ceci. Là, il n'y a rien. Puis là, t'as vu, il y a deux fois le même truc, pareil que là. Puis de nouveau ça. Avec rien. On a absolument, clairement, un pattern. On est d'accord. Deux fois le même truc. Une valeur. Ça ressemble quand même à quelque chose. Et là, en fait, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, on a accès. Bah tiens, je l'ai là. On a accès à la structure qu'on cherche. Et effectivement, regardez comme c'est... Parce que la dernière fois, je suis passé un peu rapidement là-dessus parce que on était sur la fin alors que c'était le truc le plus intéressant. Regardez. Dans cette structure, on a un truc qui a un nom. Et qui a un pointeur vers une adresse où il y a une chaîne de caractères. Donc très logiquement, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois.
si on regarde ce qu'il y a là-dedans, okay, si on se trompe pas, ça là, en fait, ici, c'est un pointeur vers une chaîne de caractères. D'accord ? Donc si je fais x slash s pour afficher un string et que j'affiche ce qu'il y a là-dedans, bim, j'ai une chaîne de caractères. Ok ? Idem pour le deuxième ici. Ok ? De toute façon, c'est la même adresse, donc on va tomber exactement sur la même chaîne de caractères. Hop. Bim. Audio. Je sais pas si vous voyez la beauté du truc. Et donc après, ici, on a un truc qui est le unit number, bon, qui est sur 24 bits. Et on a notre fameux CF state. Qui a l'air de dire, regardez, pas CF state, F state. Qui a l'air de dire que quand ça vaut 3, c'est désactivé. Mais 2, alors je ne sais pas ce que ça veut dire duplicable. Mais en tout cas, ça a l'air clairement de dire que c'est activé. Et si on se rend compte, ici, on a une chaîne de caractères, une chaîne de caractères. Et alors, là, il faut bien se rendre compte que, en fait, dans ces 4 octets-là, c'est bien ça, hein, 1, 2, 3, 4, ouais, ça. Dans ces 4 octets, on a ces deux champs-là, en fait. Que ça là, c'est un unsigned char, ça prend un byte, et là on a un truc qui a été déclaré pour prendre 24 bits. Ok, donc en fait ça prend exactement cette taille là, et comme on est en Little Indian, ce machin là c'est ça. En l'occurrence, c'est ça. Tout le monde est avec moi ou pas ? Je répète. Par contre, ce soir, je fais pas le con, je prends un verre d'eau, un verre de vin. Alors, je refais. Regardez bien. Donc là, on a notre pattern. D'accord, on reconnaît clairement le premier pointeur vers une chaîne de caractères. Le deuxième pointeur vers une chaîne de caractères. Et ici, ces deux trucs-là. Ok, c'est quoi CF data ? En fait, CF data, c'est la structure, ou plutôt, c'est le tableau dans lequel sont listés tous les drivers activés dans le kernel. Ok ? Ce machin-là, là, j'ai affiché les 20 premiers mots, ok ? Mais en fait, tu peux en afficher autant que tu veux, là. On va en afficher 50. Voilà. Ce machin-là, c'est le tableau de tous les drivers. CF, c'est configuration. Parce que le truc qui attache le code du driver au périphérique s'appelle autoconf. Et conf, c'est CF. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on a là, quand tu printes là, les valeurs exa, machin, vous vous rendez compte que c'est un peu comme on est en train de lire la matrice, putain. C'est quand même super vénère. Là, on a, on, là,
Vous rappelez du moment où on voyait des trucs exacts comme ça, mais qu'on comprenait rien du tout à ce que ça voulait dire? Attends, Triidi, quand tu le printes, tu peux dire à GDB que c'est un CF data et qu'il utilise le point H pour faire... je pense que oui. Je pense que oui. Mais je sais pas... Mais non, parce que là j'ai... On n'est pas... Ça devrait fonctionner. Mais là, je suis pas dans le source tree. Mais ça devrait... Si bouffait le point H du kernel, ça devrait fonctionner. Mais là j'y vais en full binaire. Hardware a dit, j'avais pas fait gaffe, me demandais comment tu savais que c'était une chaîne de caractères. Oui, non, c'est je le sais parce que... Ben, du coup, je sais que effectivement ici, le symbole CF data, il correspond à la structure CF data. Et que là, j'ai plein de CF data qui se suivent les uns les autres. Vous voyez le truc? Fred qui dit on n'a pas le nom de la variable nombre de vies quand on compile en C, mais on a le nom CF data dans l'exécutable. Ouais, absolument. Donc vous voyez le truc là? Salut Radigun, je t'avais pas vu. Les deux premiers words sont identiques. Le nom du driver est le même que l'attachement. Oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est une très bonne remarque que tu fais là. Fix ou lab qui dit question, est-ce que le tableau sera toujours la même place pour le patcher? C'est pas du tout certain. Non, c'est pas du tout certain. Le finnois qui dit il y a une astuce pour retrouver la position des données dans le fichier elf plutôt qu'en mémoire. Alors oui, je vais vous la montrer juste après. Bon, en gros, c'est un gros GDB avec du elf machin quoi. Enfin, c'est... Hardware a dit... Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il a dit, ah oui, j'avais pas fait gaffe, là. Et Triggy lui répond, il a triché, il a passé 4 jours à pas préparer ce stream. Il a prétendu que son client était au fausse dem. Non, non, je te promets que non. Non, c'est pas que j'ai passé 4 jours à pas voir le stream. C'est que j'ai super... j'ai super obsédé dessus comme je fais toujours. Hein, la raison pour laquelle je suis tout seul aujourd'hui. Et qu'il n'y a plus personne, voilà. Mais c'est un gros kiff. Alors attention, non. Je patche pas le binaire kernel en cours d'exécution. Hein, soyons clairs. Hein. Salut Shobi. Il n'y a pas de checksum intégré au kernel compilé. Écoute, manifestement non. Mais c'est une bonne remarque. Radogun qui dit rarement vu un open bar aussi studio. Bah, c'est parce que t'as pas vu celui de la semaine dernière. C'était encore plus. Là, je dérive un peu, mais. Le tableau, est-ce qu'il a une taille fixe? Il a une taille fixe. Il a absolument une taille fixe. Mais il a le bon goût de se terminer par 0,0. Enfin, 0x0. Et on va voir ça juste après. Donc. Clairement, on a ici le truc qu'on veut modifier. D'accord ? Attends, Kitar Sosé, il a posé une question ? Ouais, non. Là, attention, là, ce que je vais faire, c'est je patch le kernel compilé. D'accord ? Je patche pas le kernel en cours d'exécution. Alors, patcher le kernel en cours... Je rappelle, quel est l'objectif de mon expérience? L'objectif de mon expérience est de faire booter un kernel NetBSD rapidement. D'accord? Le plus rapidement possible. Désactiver un driver dans NetBSD à la volée, c'est très facile. On a un truc qui s'appelle DRVCTL. RVCTL, voilà. Qui fait ça de base, hein? Tool to rescan buses and detach devices on user request. C'est pas un hack, c'est absolument prévu pour. Alors, tu peux être dans ton NetBSD et détacher un driver, quel qu'il soit, à la volée. Ok, ça marche très bien.
Non, là, c'est pas ça. Là, le but du jeu, c'est... Attends. Le but du jeu, c'est de démarrer un kernel rapidement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Regardez ce que ça donne. Alors, attends. J'ai un doute là de comment je, dans quel ordre je fais les choses. J'ai un doute. Si je démarre, regardez, je sais ce que je vais faire. Je vous montre un truc. Donc, je démarre le truc avec KVM. Hein. C'est l'idée, c'est d'utiliser KVM hein, dans tout ça. Enfin, KVM, QEMU, système x86, machin. Donc, je vais démarrer. Code paste comme un vilain. Hein. Bah, ça sert à rien de mytho là. Je vais démarrer. Une machine virtuelle avec 128 MB et avec moins kernel, on a dit NetBSD 9.3 full hein, avec rien désactivé. Avec je veux la console sur le port série, mais je peux pouvoir la contrôle C, donc je vais enlever mon. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Je vais juste démarrer un kernel sur le port série et c'est un kernel full. D'accord ? J'utilise QEMU KVM là-dessus. Lateralus dit au final, l'image doit être utilisable sur d'autres hyperviseurs. Oui, 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 certainement. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, j'y vais, je démarre. Alors ça marche pas, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que il faut que je passe des paramètres au kernel pour lui dire que il doit sortir le stdout sur la console. Et voilà. Voilà, là ça doit le faire. Donc voilà, donc normalement là je boot mon kernel. Bon voilà, je boot mon kernel, c'est tout. Il n'y a pas de disque à rien, hein. Soyons d'accord. Hein. On y va. Hop, voilà, là ça marche. Ça marche, ça boot, hein, c'est un kernel qui boot. Vous savez comme c'est. Ah, voilà, est-ce que je détecte des trucs? Est-ce qu'il y a un lecteur disquette? Voilà. Ok, c'est quand même extrêmement long. On est d'accord, Tréguy. C'est extrêmement long. C'est insupportablement long. Le temps de faire un soufflé fromage. C'est honteux. C'est honteux. Alors. Ok. Donc, par exemple. Là, on a plein de drivers là, qui sont... Bon, c'est vraiment c'est relou. Okay. Mais on est d'accord. Ben non, avec systemd, ça change rien du tout parce que systemd il arrive après le kernel. Là, je parle vraiment du kernel. Là, on est avant systemd, on est avant tout le bordel. D'accord. Donc moi, ce que je veux là. Finalement, c'est désactiver. Alors, on s'accroche, on va commencer à taper dans du lourd là. Ce que je veux, finalement, c'est déjà avoir la liste de tout ça en fait, de tous les drivers qui sont possibles. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais t'as qu'à regarder les sources, espèce de con. Oui, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous. Mais on va faire une opération à cœur ouvert.
il s'agit pas de faire les choses dans les règles de l'art avec des petites pinces à épiler, nanana, tu vois. Là, ce qu'on veut, c'est regarder directement dans les entrailles du truc. Qui est là? Alors, je reprends mon petit GDB. Absolument sans anesthésie. Alors, non, d'abord, Tordals, merci à toi. Tordals qui vient de se sub pour le 6e mois. Merci, merci Tordals. Latarlus qui dit un Aruspice ou Aruspice est un pratiquant de l'Aruspicine, l'art divinatoire de lire les entrailles d'un animal sacrifié pour en tirer les présages ou déterminer une décision. Écoute, on va voir les fameuses frappes chirurgicales. Alors, donc qu'est-ce qu'on veut? Alors, on va déclarer une variable dans GDB. On va déclarer une variable. On va sobrement appeler PTR. Et cette variable, elle va pointer. On va lui déclarer son type, un type. Et int étoile pour dire que voilà, c'est un pointeur. Okay, donc pour lui dire que ça fait 32 bits. Sur CF data. D'accord ? Tout le monde est OK avec ce qui se passe là ? Je déclare une variable. Ça en fait, c'est comme ça que tu déclares une variable dans GDB. Voilà, tu déclares une variable en disant $7, le nom de ta variable. Et là, ce qu'on dit, c'est, ok, il y a CF data. Ça va être, je veux que PTR pointe là-dessus. Et c'est une data de type pointeur. Okay, en gros, ça a une taille de pointeur et je veux savoir ce qu'il y a dedans. D'accord ? Là, si je fais print de $PTR, ça revient au même. Et j'ai juste... alors, si tu lui dis void étoile, il est pas content. Il dit... je sais plus ce qu'il raconte. En fait, parce que je veux une taille ici. Je veux absolument une taille de word. Parce que je vais faire des opérations sur le pointeur, là. Je vais faire des plus 1. Et si tu lui mets un void, il sait pas quoi foutre avec le plus 1. Parce que là, il va savoir que son plus 1, c'est un int. Enfin, c'est un pointeur sur int. Donc, c'est un word. Et la taille d'un... alors, attends, je vais essayer, mais je suis quasiment sûr que ça avait foiré. On va essayer de le laisser en void étoile. Je vais essayer. Attends, je vais d'abord le faire comme je sais que ça marche. Et après, on essaie avec le void. D'accord ? Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, le void étoile devrait avoir la même taille que le int étoile. Hein. Mais je sais qu'il m'avait envoyé chier. Alors. Donc, j'ai une variable qui pointe à cette adresse avec un type pointeur. Ok ? Donc, un word. Bon. Ce que je veux. Alors, ce que je sais, parce que c'est quand même pas... J'ai de l'info. Ce que je sais, c'est que le tableau qui est là se finit avec une valeur nulle. Vous me suivez ? Là, concentration maximale de tout le monde. Hein. Est-ce que vous me suivez ? C'est important là. Ok. Donc je sais que ce tableau se termine avec une valeur nulle.
et je veux le parcourir en entier. Ok ? Il se trouve que GDB a... Ouais, ouais, non mais je suis d'accord avec Sofiane. Hein. Parce qu'en fait, Triggy, ce que tu dis, c'est le type void n'a pas de size. Mais là, en l'occurrence, c'est un pointeur sur void. Donc ça devrait fonctionner. Mais je te dis, la dernière fois, ils m'ont envoyé chier GDB, je sais plus pourquoi, mais du coup, c'est pour ça que je suis resté sur un int. Ok, donc. Moi, ce que je veux. Alors là, on est en train de faire du GDB script. Je ne savais même pas que ça existait. Hein. Donc ça se script, hein, tu peux appeler ça après ce qu'on va faire. Donc moi, ce que je veux, c'est faire une boucle sur CF data jusqu'à ce que le contenu de CF data soit nul. Ça va 0x0. Alors ça a l'air de scripter en Python, sauf que j'ai jamais trouvé le bon plugin, le bon machin. Donc du coup je l'ai fait en full GDB, mais j'ai pas fini. Hein. Donc ouais, je pense que t'as raison, Triggy. Triggy dit oui, mais après quand tu vas faire et de PTR plus 1, ça va faire et de PTR une fois size of void et il sait pas faire. C'est très possible. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais effectivement faire un while. Et alors le while ça va être le contenu de PTR qui est différent de 0. Alors en même temps je l'ai jamais fait dans GDB, je sais pas comment il va réagir. Ah mais il est content. Je vais printf l'adresse du truc et pour commencer je vais juste afficher le nom du driver. Si on a ça, on a gagné. Mais comment GDB connaît la taille de la struct CF data? Alors tu vas voir, en fait, il la connaît pas. C'est moi qui vais, tu vas voir là, dans l'instruction d'après, tu vas comprendre. C'est moi qui vais lui dire de combien il doit avancer. C'est une très bonne question qui t'a reçu. Mais tu vas voir. Il y a un tout petit filet. Il y a un filet pas très épais. Alors. Donc. Voilà. Donc moi, ce que je veux montrer, c'est l'adresse du membre du tableau et le nom du driver associé. Ok. Donc, ce que je veux afficher, c'est $ de PTR et char étoile. Donc le pointeur vers $ de PTR, puisque le premier membre c'est le nom du driver. Ok, donc là je vais printer l'adresse de ce truc là et non, c'est le contenu que je veux, l'adresse de ce truc là et le contenu, bon, ce qu'il y a dedans quoi. Ok, l'adresse qui est pointée, la fameuse chaîne de caractères avec le nom du driver. Donc nanana. Ok, c'est ça que je veux printer. Et là, je réponds à la question de Kitter Sosé. Comment GDB connaît la taille? Il la connaît pas la taille. C'est moi tout à l'heure qui ai qui a analysé le truc et fait ok. Donc là, il y a un champ, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu pars sur un autre driver. Ça, c'est du full RE. Hein. Ça, c'est absolument du reverse engineering. Tu présumes. Ok, regarde. Bim, bim, t'as un pattern. Passe des trucs, voilà. Bim, bim, t'as l'autre pattern. Tu vois? Donc, ça semble être plus 6. Donc, c'est ça que je vais faire.
vais faire maintenant 7$ de PTR égale $ de PTR plus 6. Est-ce que j'ai tout le monde là? Parce que je vous jure, je peux tellement avoir perdu la 90% de la population là, c'est possible. Vous me suivez ou pas? Léa, oui. Rolling Phoenix, il dit, mais est-ce qu'on est sûr que le pattern est toujours le même pour tous les drivers? Alors oui, pourquoi? Parce que si tu regardes ici, la struct, elle a... Merde. La struct, elle a absolument une taille fixe. La terrorisation, en s'accrochant, oui. Eh, si y a des trucs qui sont pas fluides, vous me dites, hein. S'il faut que ça fasse 15 épisodes, ça fait 15 épisodes, hein. Frenchcraft qui dit oui, parce que l'API driver qui est fait comme ça, l'histoire que le kernel lui-même s'y retrouve. Tout à fait, ouais. Oui, voilà, la struct, elle est déclarée. Elle a une taille fixe, tu vois, enfin, la struct, à la fin, tu vois, c'est... un char étoile, donc un word, un autre char étoile, un word, 24 bits, un truc, un unsigned char, donc qui fait un octet, mais qui va être padé pour que ça soit aligné, tu vois, que ce soit propre, un int étoile, un word, un int, un word aussi, et un autre pointeur, ça va être un word aussi, tu vois. Donc c'est extrêmement, enfin voilà, il n'y a pas de débat, hein, sur la taille, hein. En fait, le Hazel, le padding pour l'alignement, il va pas changer. Exactement, Léa. Léa a raison. Il faut voir ça comme des casiers IKEA. C'est absolument ça. Tout à fait ça. Ça fait une taille, il faut que ça cale. Attends, FX ou Kali, j'ai pas pigé la ligne avec printf. Ah, ok. Alors attends, je reviens. Ok, donc... Bon, ça, c'est le printf de GDB, hein. Mais il réagit à peu près comme le printf de C. Donc, je veux afficher l'adresse de la ligne du tableau. Et il y a un tableau avec, je sais pas combien, avec 700 et quelques CF data. D'accord, c'est le nom de driver qu'il y a. Et je sais que le début de ce tableau, chaque ligne, ça démarre par ça, par le fameux CF name. Ok, c'est des cases, hein, c'est ni plus ni moins que des cases. Et donc, j'affiche d'abord l'adresse de PTR, donc le machin qui va être incrémenté de 6. À chaque fois qu'on passe dans la boucle. Donc vraiment l'adresse de PTR. Je rappelle que PTR de base, le premier truc sur lequel il pointe, c'est l'adresse de CF data. Bah, c'est pas il pointe, c'est égal à l'adresse de CF data. D'accord ? Et PTR va être incrémenté de 6 à chaque incrément de la boucle, parce qu'on sait que la struct fait 6 words. C'est plus clair ou pas? Et ensuite, le deuxième truc que je veux afficher, c'est le contenu du premier champ de la struct CF data, ceci, et qui est un char étoile. Donc, je caste en char étoile le contenu que je veux afficher. C'est un printf, hein. Dis-toi, c'est juste un printf. Sauf que c'est un printf en mode matrix. C'est pas un printf en mode tu fais du code et tout. C'est un printf en mode des caractères qui font comme ça. Et toi, tu bois du jus dégueulasse qui est de l'alcool. Mais tu vois la matrice.
Hardware Eddy, tu pourrais trouver un moyen de confirmer que c'est 6 la taille du Word. Non, attention, attention. Le Word, attention. Le Word n'est pas 6. Le Word, c'est 32 bits. Ok ? 4 bytes. 4 x 8, 32. C'est 4 bytes. Un Word, c'est 4 bytes. Donc, ça veut dire que dans cette struct, ici, c'est un pointeur. Et un pointeur, c'est 4 bytes. En 32 bits. Et rappelez-vous, hein, c'est du 8386 là. Hein. Ici, c'est 4 bytes. Ici, c'est 24 bits. 24 divisé par 8. Ne me faites pas faire des calculs. Hein. Et 3. 3 bits, oui, mais oui, mais oui. J'ai lancé BC. Hein, donc voilà, 3 bytes. Ici, j'ai le F-State qui prend 1 byte parce que c'est un char. Enfin, un unsigned char, mais c'est un char. Mais qui va être padé. Toi, t'as l'eau gazeuse. Alors, tu sais quoi? J'ai de l'eau gazeuse juste là, justement. Fais bien de me le rappeler. Donc ça, donc ici t'as un char, donc un byte, mais qui va être padé pour aligner tout ça sur des puissances de 2 pour que le CPU soit content. Ici t'as un pointeur 4 bytes, ici t'as un int 4 bytes, et ici t'as un pointeur 4 bytes. D'accord ? Je vais pas faire l'addition. Et c'est comme ça que tu sais en fait qu'à la fin, tu te retrouves avec 6 fois un word. Sofiane, question. Tu peux essayer de caster PTR en type de la structure. Je suis curieux de voir si ça marche. Attends, tu peux me laisser. Je fais juste la boucle et je le fais juste après parce que ça me fait chier de couper la boucle. Mais je le fais après. Azel qui dit c'était presque la question de Tricky plus haut. Est-ce que tu peux examiner en indiquant la struct quitte à avoir le symbole? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Est-ce que je peux examiner donc X en indiquant la struct? Tu veux que je le caste en fait? Je peux essayer. Mais attends. Ah ouais, bah bien sûr. Oui, c'est comme ça que j'ai fait en fait à la base. Ouais, attends. Je tente la loupe et après on voit les questions. Une fois qu'on a la loupe, on est bon. Ok. Donc, nanana. Donc, while le contenu de PTR n'est pas nul, je print l'adresse du début de là où on est en train de pointer. Le string qui est immédiatement dans la première case du truc. Et j'incrémente de 6. Ok ? J'incrémente de la taille de PTR que j'ai déclaré étant un int étoile. Donc étant un pointeur. Donc ça va incrémenter d'un word à chaque fois. Salut Cool Train ! Ah là, t'arrives... c'est un peu chaud là déjà. Là, on a grave les doigts dedans. Hein. Donc ça va pour l'instant, Tréguy, je sais ce que tu dis, j'y ai pensé aussi, mais ça va. Ok, donc là c'est bon. Et alors, en GDB script, on finit le 100 gicle. pas encore, on n'a pas encore write. On finit une boucle en GDB script avec le keyword end. Donc si je me suis pas chié, normalement, je devrais, en appuyant sur Entrée, avoir 700 lignes avec une adresse, un espace,
et un nom de driver. Franchement, si ça marche du premier coup. Allez. Oh putain de sa mère. Ah, c'est pas beau parce que j'ai pas mis le... Ah, attends. Attends, on va le refaire avec un backslash N. Attends. Oh là, j'ai pris... Oh là, c'est le bordel, là. Attends. Attends, on va le refaire. Attendez. Non, c'est pas un Rodriguez, c'est pas beau. Si c'est pas beau, c'est pas un Rodriguez. Attends, laissez-moi reprendre, parce que là, je suis moi-même sous le choc, là. Ah bah ouais, j'aurais... Bah ouais, putain, j'ai pas mis... Attends, bougez pas. On va mettre un petit backslash N, comme ça, c'est joli. Hop. Voilà. Merde. Ah merde. Ah putain. Bordel. Non bah ça y est, je suis tout perdu, là. Voilà, allez. Ok, alors donc, nanana, on met le printf. Avec un petit backslash N. Ah. Là, on va faire A. A et end. Allez, là c'est bon. On est bon? 3, 2, 1. Oh, bouillard! Ça claque! Mais ça claque ou est-ce que ça claque pas? Non mais regardez ce qu'on a fait! Non mais est-ce que ça déboîte pas? On a fait une petite boucle qui part du premier driver et brrr, ça liste tous les fucking drivers qui sont loadés avec son adresse juste avant. On a fucking gagné, les amis. Alors ça, est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas de la fucking Matrix? Ah mais putain, on est parti de là quoi. Non, c'est data. Ouais, il y a un driver Sony, je crois que c'est pour... Il me semble que c'est pour la CPI Sony. Alors, je ne sais pas, Tréguy. Alors, effectivement, t'as tout à fait raison. Tréguy dit quand t'as 5 fois le même nom, est-ce que c'est des versions différentes du driver ou plusieurs entrées à la table? Je ne sais pas. Effectivement, il y a plusieurs drivers. Je ne sais pas si Corben, tu peux nous éclairer. Mais il y a plusieurs drivers qui ont plusieurs entrées. Tiens, tu vois là par exemple, là. Et en fait, tu te diras, bah oui, mais c'est le nom d'attachement, machin. Non, c'est... Je sais pas. Vilain le chat qui dit Chang Sorcery. Bienvenue à toi, vilain le chat, je t'avais pas vu. Est-ce qu'il y a une histoire d'attachement? Peut-être, mais... En fait, les champs sont les mêmes. C'est ça qui me surprend un peu. Pardon. Donc je sais pas. Je sais pas, mais à la fin ça change rien. Ce qui va m'intéresser. Parce que là on va reprendre. Alors attendez. Maintenant ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un petit peu. Frenchcraft qui dit genre si t'as 15 bus I2C, t'auras 15. I2C avec les données différentes, c'est très possible. Ah oui, non, mais la CPI, laisse tomber.
Donc. Alors attends. J'ai perdu. Voilà, je suis là. Donc. On sait qu'on peut avoir la liste de tous les drivers. Ouais, mais je suis pas sûr. Effectivement, ça pourrait être. Il y a plein de ports com et effectivement, il y a autant de drivers, enfin de drivers com déclarés que de ports com. Mais je suis pas complètement persuadé en fait. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, par exemple, ça là, ça me. Je sais pas. Que dit le FM? Comment ça le FM? Je ne sais pas ce que tu dis. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, en réalité, ce qui nous intéresse en réalité, ah, le fucking manuel. Je sais même pas quel man regarder en fait. Ce qui nous intéresse en réalité, c'est de savoir si c'est oula. Ah oui, c'est copier un truc à la con. Ce qui nous intéresse en réalité, c'est de savoir si le driver en question est activé ou pas. Et alors là, ça va être un petit peu plus touchy. C'est-à-dire que j'affiche l'adresse, j'affiche le nom du driver, le nom de l'attachement et le fameux champ en 0002000. Et on va voir qu'est-ce que ça dit. Tac. On incrémente de 6. Et on y va. Et alors là, regardez. Là, c'est beau. Là, c'est très beau. Parce qu'on voit effectivement que tous ces drivers semblent être activés. Fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez, sur le... ici, là. Okay. Quand ça vaut 2, c'est activé. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour opérer notre kernel? Il nous manque effectivement une tronçonneuse. Il nous manque effectivement une tronçonneuse. Ah tiens, est-ce que ça marche avec le void? Bah tiens, c'est une bonne idée ça. On va essayer là. Alors bouge pas. Donc on va dire, mais je suis sûr que oui en fait. En y repensant, on y va. Donc on va déclarer PTR en void. On va refaire ça. Hop. Oh, je suis prêt à parier que ça marche. Eh ben non, eh ben voilà, ça me fait la même chose, dis donc.
Il le cuit, il dit « Salut, j'ai grave loupé le début, je vais prendre en plein vol. » Là, c'est un peu complexe. De prendre en plein vol, c'est un peu complexe. Et ben voilà, et ben c'est ça que ça me faisait. Donc ça ne marche pas. Quand tu castes avec un void étoile, ça marche pas. Et je trouve ça bizarre, hein. Je trouve ça très surprenant. Ah oui, ah oui, ah oui, très bien, Sofiane. Oui, oui, très très bonne idée, ça. Donc, 7 et de PTR égale CF data étoile de et de CF data. Non, mais parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je pense que ça marche pas? Hein? Attends, je vous relis tout cela. Peter Sose qui dit j'avais entendu parler d'un ingé de la NASA qui avait dû patcher du code en real time pour sauver la mission spatiale. Je n'arrive pas à retrouver. Pas sûr que ce soit du Pathfinder de 97, mais ça paraissait plus chaud. Putain, faire ça en live là. Mais c'est ça, il peut pas savoir ce que c'est qu'un CF data, c'est ça. Parce que à la fin, en plus, là je suis même pas sur un run. Attention, hein. Sofiane, je suis pas. Je run pas là. Hein. Là je suis. Probablement que si, tu sais, enfin, c'était un exec et tout, je run et qu'il bouffe les symboles et tout, ça pourrait probablement fonctionner. Mais là, il n'en sait rien, quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai dû ruser avec le étoile int bah, pour avoir la bonne taille, quoi. Ok. Ok. Bon. Maintenant que j'ai ça, je peux désactiver à peu près tout ce que je veux. Qu'est-ce que je pourrais désactiver de rigolo pour qu'on puisse se rendre compte. Ah bah tiens, j'ai une idée. Alors. Tout à l'heure, on a fait ça. Vous vous rappelez, on a booté un kernel ZBSD, c'était très très lent, c'était extrêmement relou. Tac tac tac, puis ça prenait un temps de ouf. Et en particulier sur cette espèce de merde là. Non, c'était ouais mais c'est... En partie. Qu'est-ce qu'on pourrait désactiver là de rigolo là? Voyons voir. Moi je dirais. Tiens. LPT0. À l'intérieur, on est d'accord. Allez. LPT0. On va reprendre notre GDB. Ah merde, putain. Allez, faut que je... Bon, ok. Prends charge, j'ai dit add symbol file sample. Point O. Alors oui, Fred, normal qu'il y ait des 2-0-0-0-0-1. Alors oui, parce qu'en fait, la deuxième partie du Word, ça sert à autre chose. Ça sert à... Regarde bien. Tu vois, t'as une partie qui est... Si t'as une partie qui est le CF state, et puis t'as l'autre partie qui est le unit number. Donc par exemple, tu vas avoir, je sais pas moi,
premier disque, ça va être 0, deuxième disque, ça va être 1, etc. Cool Train, il dit, il a les entrailles à l'air. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Oh, Rancune! Eh, hey, Rancune, je t'ai fait des bisous en début de live, hein. Je te remercie beaucoup, hein. C'est trop, trop cool. Des gros, gros, gros bisous à toi. Ok. Alors. Alors, attendez. Ce que je vous propose. Qu'est-ce qu'on pourrait désactiver pour rigoler, là? Quel organe je veux lui enlever? Quel organe je veux lui enlever? Attends. Tiens, alors on va enlever VGA0. VGA0, ça sert à rien. Attends. Donc, on y va. Alors, je refais, je cut paste évidemment là, ce que j'ai fait. Tac. On va loop. Sur les drivers qui sont activés dans le kernel. Voilà. Alors, on va chercher VGA. Je sais que je pourrais faire ça beaucoup mieux et je l'ai fait beaucoup mieux. Et là, on va le faire un peu en live à l'arrache. Et VGA. Que ça va être relou. Je trouve pas là. Bon, ok. Ok, dans ce cas-là. On va littéralement créer un GDB script. Parce que là c'est nécessaire. Donc, on va faire vim loop.gdb. Et ça va être absolument ce qu'on vient de faire. Hein. C'est juste qu'on va déclarer une variable. Une fonction. Et on va dire fine. Donc une fonction en GDB script. Non, c'est pas du C. Hein. C'est un truc absolument dégueulasse. Voilà, c'est du GDB script, c'est absolument horrible. Et donc, tu déclares une variable, tu dis, voilà, define, par exemple, loop cfdata. Et ensuite, bah, on cut-paste ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, voilà. Set, là. While, là. Intf de tout merdier. Hop, on avance de word et end la fonction. Voilà. Donc là, on vient de déclarer. Une fonction pour GDB. Et on peut appeler cette fonction avec GDB en faisant. Alors c'est pas très convivial, hein, mais c'est GDB. Alors je vais pas charger Jeff parce que ça va servir à rien. Il reste là 42 qui dit pourquoi tu ne fais pas un rapide point O que tu loads dans ta session GDB pour avoir un parsing plus facile. Un point O de quoi? Je rappelle, hein, on est en train de charcuter un kernel, hein.
Mais parce que j'ai pas moi le cfmydata.o. Enfin, il est probablement quelque part, hein, mais ben non, d'ailleurs, non, en fait. Oui. Ouais, mais bon, putain, c'est moins rigolo, quoi. Alors, donc, GDB moyenne. Notre kernel. Ah, putain. Faites pas cet enculé. Alors, GDB.n. Moins moins batch pour pas qu'il y ait d'output à la con. Moins x, on l'a appelé loop.db, je pense. Moins exécute la fonction qui s'appelle, je ne sais pas du tout, je pense que c'était loop. Loop. Hey. Df data. Je pense que c'est ça. Donc, on prend ce fichier elf. On va exécuter ce script. Et dans ce script, on va exécuter cette fonction. Franchement, si ça marche du premier coup, c'est une bonne soirée. Oh putain! Et voilà! Et voilà! Et voilà! Et alors, qu'est-ce que je veux là? Bah, du coup, on va grep. Rodri- 100% Rodriguez! 100% Rodriguez, je te le dis! Qu'est-ce qu'on voulait? C'était quoi qu'on voulait? Ah oui, VGA! C'est là que ça va commencer à devenir rigolo. Alors, attends. Donc, alors, ce qu'on va faire, parce que, bon, ce pauvre petit kernel, là, on va le copier. Parce que là, ça va pas être drôle pour lui. Donc, butch. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir modifier des choses dans ce kernel. Et donc on va faire GDB. Alors là c'est le flag magique. Donc moins N butch moins Attends que je fasse pas de bêtises là. Moins right. Et c'est là que c'est moche pour lui. Moins right. Et c'est tout. Voilà. Alors là. Là tu vois. T'as le tu viens de prendre le gaz. Mais sauf qu'il vient d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le driver VGA, il était à cette adresse-là. Donc, si je print le X comme ça, ce qu'il y a à cette adresse-là. Si je fais ce qu'on a fait tout à l'heure, effectivement, là ici, j'ai le driver VGA. Et ce que je veux, donc, c'est modifier ceci, qui est actuellement activé à 2. Hein, je vous rappelle. 2. Et nous, on veut le passer à 3.
Donc, on est à... Donc, l'adresse de base, ça, c'est C12P6040. Et on veut modifier ici. Et ici, on est à 10 octets plus loin. 4 et 4, 8 et 2. Donc, ce que je veux faire, c'est je vais set une adresse. Ah voilà, là, grave. On va dire touch égal. C'est voir si tu marches quand je coupe encore une jambe. C'est franchement, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin de ça. Donc c'est ça. Et ce que je veux faire, ah mais je peux pas le. Ce que je veux faire, c'est là. Ici, inscrire un 3 au lieu d'un 2. Donc je vais faire 7. Je peux agir sur un char, donc sur un octet. Touch. Égal. Donc je vous rappelle, hein. Là, je suis en mode write avec GDB. Donc je vais littéralement patcher le binaire kernel. Bim. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Voilà, donc j'ai mis la valeur 3 dans à cette adresse, ce qui logiquement donc devrait avoir désactivé le driver VGA. On va voir. Eh, vous rendez pas compte, mais c'est quand même, c'est du le filet est tout petit, hein. le filet est tout petit. Ok. Alors attends, non, c'est pas full, c'est putain, comment je l'ai appelé ? Butch. Ah merde, attends, qu'est-ce que j'ai foutu là ? Point. On est chaud ? Non. Alors moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement... Hey, il marche encore. Hey, regardez, on marche, il marche encore.
Il n'y a pas tellement de drivers VGA, on dirait. Hein. Bah non, ça boot pas beaucoup plus vite, mais c'est parce que j'ai viré un seul driver. Attends, on arrive. Ah ouais, hein? Il n'y a plus tellement de drivers VGA, on dirait. j'adore. Tout va bien. Ah non mais, regardez, il va bien. Est-ce qu'il va pas bien? Bah non, mais tu vas pas avoir de gain. Bah non, mais là t'as rien. Bah regarde tous les drivers qui sont chargés encore. Attends, t'inquiète. Bon. Mais si, il va bien. Mais attends. Attends. Je vire le add timer 0. D'accord. Allez. Bah maintenant, on a la procédure. Bouge pas. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il était? Attends. Voilà. Add timer. Tiens. Add timer CPI. Il est là. Mais en fait, je suis pas sûr que ce soit lui qui prenne autant de temps. Ah merde, il est 20h, il est 22h15. Oh putain de sa race. Bon. Je vous spoil le truc. J'ai fait un petit script qui s'appelle castrip.sh. Parce que plutôt que d'y aller façon chirurgicale, moi je propose d'y aller de façon industrielle. Alors ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai dit voilà les drivers que je veux garder. Donc je veux garder Mainbus parce que c'est Mainbus, hein, il faut le garder. CPU, IOAPIC, PCI parce que à la fin Virtio l'utilise. ISA parce que le port serial l'utilise. PC Display ou W Display, je vais pouvoir probablement les virer. Enfin au moins PC Display. Et ça c'est nécessaire, Virtio, LD c'est les disques en Virtio et VOIF c'est les interfaces réseau en Virtio. Tout ça je veux les garder, ok? Et là vous reconnaissez le truc qu'on a tapé tout à l'heure avec un script GDB. Et là je disperse façon puzzle mais genre grave. Non, là c'est violent, là c'est très très violent. Je vais vous montrer le petit GDB script est fait. Et en fait, donc là, vous reconnaissez la petite fonction qu'on a utilisée depuis tout à l'heure. Et ici, en fait, j'ai fait une petite fonction qui désactive le driver qu'on passe en argument. Rigi dit, on pourrait... Une image qui démarre, liste les drivers effectivement utilisés et patch et écrive le driver patché en fonction de ça. Ouais, complètement. Mais complètement. Alors là, on est absolument, Sofiane, je suis d'accord avec toi, on est absolument sur du Greek Code Unit 100%. Là, on est à 100%. Mais 100%. Ça là, je pense c'est le pire truc. Je pense que c'est le pire truc que j'ai écrit de ma life. Sur ces 10 lignes, il y a c'est le pire truc. C'est ce machin, c'est de la
C'est une espèce de map de napalm qui passe sur le kernel. C'est horrible. C'est absolument... C'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça. Non, non, là, je suis au top. Là, vraiment, je suis au top. Donc, ce que fait ce script, c'est que, bah, il loop sur le fameux loop CF data qu'on utilise depuis tout à l'heure. Triggy dit, si tu travailles pas bien, à l'école, tu écriras du code comme ça. Donc, je loop sur le CF data et je write et batch comme un gros vilain et je set à 3 ce qu'on vient de faire en fait. Je vais désactiver chaque driver comme ça, un par un. D'accord ? Salut S9. voilà. Donc, donc on y va. On fait... Alors, là, on fait... Oui, là, vous fermez les yeux, hein. Vous fermez les yeux. Là, il faut pas regarder, hein, les petits, les enfants, vous allez vous coucher parce que ça va être très très violent. Là, c'est une scène d'extrême violence, ok? Vous regardez pas ça. Attention, je vais appuyer sur entrée, hein. Allez, on se couche. Vous regardez pas ce qui va se passer. Il y en a comme ça pour une minute. Hein. Voilà, tout ça. Voilà, on est en train de. Marty McFly, est-ce qu'il y a une façon académique de faire ça? Oui! Oui, ah, mais c'est Abitri Friends. Là, c'est complètement ça. Là, la 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 la. Oui, mais non, mais probablement qu'il liste tout en fait. Et que je mets tout à 3. Non, c'est très très vilain. Alors, la façon académique de faire ça, c'est de recompiler proprement un kernel avec juste les fonctions qu'on veut. Mais ça va être censuré. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Salut El Celeb! Comme tu nous vois actuellement, on est en train de charcuter un noyau en live. C'est en cours là. Bon, il y a 700 drivers à détruire. Bon, à désactiver. Volpino 470 dit, je crois que je vais vomir. Alors, on fait quoi après? Ah, voilà. Mais il est fini. Il a fini. Alors, rappelez-vous. Alors, je ne sais pas du tout si ça va booter, hein, parce que là, j'avoue, je l'ai fait un peu en mode à l'arrache. Donc, rappelez-vous, vous trouviez que ça bootait lentement. Inukui dirait, il dit, on pourrait... Argument de kernel démarrage, keep driver... Alors, je ne pense... Non, ça marche pas, il n'y a pas ça, hein. Tu vois mon geek qui dit la légende raconte que STDA ou de script se lit avec l'accent allemand. Triggy AFK 5 minutes, je me sens pas bien. Non mais et regardez, là il y en a partout, hein. Là il y en a partout. Alors est-ce que ça boot? Est-ce que c'est ça? Tu pourrais clear le terme soit digne. Non attends, est-ce que ça boot? Ça la vraie question, c'est est-ce que ça boot? On y va? Ouais, je suis chaud là, on y va. Bim! Ultimate Rodriguez, est-ce que vous avez vu ça? Hey! Est-ce que vous avez vu ça? Non mais c'est pas qu'il est alive. C'est pas qu'il est alive.
Regardez bien. Bim. Combien? Combien? Là, c'est combien? C'est 100 millisecondes. Alors en fait, c'est pas 100 millisecondes. Regardez. Bah, vous avez le temps à côté là. Eh oui. Mais non, mais je peux pas faire un time parce qu'il faut que je... faudrait que j'exite. Parce que là, en fait, il attend un road device, machin, il me pose une question, donc... il est cuit, il dit. Et si on boot nos JS derrière, c'est aussi rapide. Ouais, je pense pas, non. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc, ce kernel, c'est fait littéralement lobotomisé en live, devant vous tous. Il ne se rappelle plus de rien. Mais il boot en moins de 100 millisecondes. Et c'est que le début des opérations parce que il y a plein d'autres trucs à voir. Mais voilà. Est-ce que alors l'objectif hein, de ce soir c'était de vous faire comprendre l'alignement du tableau, la modification de la valeur en live dans le kernel binaire sans avoir recompilé etc. Tricky dit, tu peux patcher le kprint pour que la première instruction fasse un return 0. Je sais pas, ça va demander. Oui, alors oui, alors c'est sûr, oui. Olive qui dit, ce kernel avance dans une boîte à l'aide. Qu'il est con. On lui dit ce kernel avance dans une boîte à l'aide de fer à repasser. Ah putain. Ah t'es con merde. Oh. En plus je le vois. Je le vois tu vois. Radégun, bon, mais je vous quitte. Le patient est encore un couvert. Bah oui, c'est grave. C'est clair. Ah merde. Ah, tu m'as buté là. Ah putain, t'es con. Oui, alors effectivement, il a. Il est un peu amputé de pas mal de pas mal de ses fonctionnalités. Axel Bigev qui dit bon, je vais tenter de me coucher en moins de 100 millisecondes. Merci Victor Emile, bye. Non, ouais, pareil, je vais pas tarder. Pas tarder parce qu'il faut que je m'occupe de boulettes. Bon, voilà. On a. Oui, non, mais ça, c'est rien. C'est parce que du coup. Ben, c'est justement l'espèce de... Il y a un... Comment on appelle ça ? T'as une liste de modules qui doivent être là. Et là, en fait, ça cale plus, quoi. Tu vois, enfin, c'est... Et en fait, la table des symboles est plus bonne. Mais bon, c'est pas très grave, quoi. Tricky dit, Emile trouve que son BSD met trop de temps à booter. Va te faire amputer. Non mais il est déjà en fait. Le hardware il demande si je mettrai pas le script sur le GitLab. Il est déjà en fait. Le GitLab est très en avance par rapport au live. J'ai pas mal avancé ce week-end et les dernières soirées. Et il y a
Il y a plein de trucs à venir. Il y a plein de trucs à venir. Pourquoi i386 c'est pas AMD64? Parce que en fait, pour le moment, sous NetBSD, le boot avec le flag moins kernel de KVM ne fonctionne que avec. Donc c'est la fonction multi-boot. Elle ne fonctionne que avec i386. Le patch AMD64 est en train d'être bossé là par plusieurs personnes, dont Corben. Ici présent, et dès que c'est possible pour AMD64, je le ferai. Olive qui dit ce repository est à être désactivé par nos équipes de modération. Non mais hey. Ok, alors je vous dis franchement, c'est pas un truc prévu. Je fais un truc un peu. C'était pas prévu. Mais. Et en fait, c'est bizarre parce que j'ai envoyé un mail sur la mailing list TechKern de DBC. Et bizarrement, personne n'a répondu, quoi. J'ai dit, ouais, j'ai fait ça et tout, machin. Et j'ai pas eu une putain de réponse, quoi. Genre les mecs ils ont juste regardé ailleurs, genre qu'est-ce qu'il fait. Volpino 404 dit petite curiosité avec FreeBSD, on peut build un système embarqué avec NanoBSD, est-ce qu'il y a un équivalent avec NetBSD? Oui, mais je vous en parle la prochaine fois parce que c'est un truc à part entière que je trouve absolument super sexy, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Ok, faut que je cut parce que et la petite là-bas à la fin, elle a envie de sortir et tout. Puis je vais là, parce qu'il flotte sa mère ici là. Et puis là, il a arrêté de flotter, donc je vais en profiter. Eh, je vous jure, je kiffe parce que je vous montre mes trucs de merde là. Et ça me fait marrer. Et vous êtes là, vous me faites pisser de rire. Et j'adore. Et putain, vous êtes trop fort avec moi. Franchement, je vous surkiffe. Je vous sur. Sonic Boom qui dit hérétique. Il y aura un article. C'est clair, il y aura un article. Je vais finir. Faut que j'arrive au bout du truc. Il me reste encore quelques petites blagues là, mais ouais. Il y aura un article. Voilà. Mais voilà. Ce que. Ah bah oui, ça dédramatise de grave ce que c'est un kernel. Bah bien sûr. Bon, les petits lutinos, j'ai passé une putain de soirée avec vous. Franchement, ça m'a fait kiffer. J'ai adoré. Cherche Kernel pour Don Organ. Salut de Doudronron, je t'avais pas vu, excuse-moi. C'était une bonne soirée. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que ça vous a fait kiffer. J'espère que ça démystifie et voilà, et vous comprenez les choses. Ouh, Sir Chojin qui dit. C'est rigolo de te retrouver après plusieurs années sur un live. Perds toujours le foufou. Bah oui, mais moi je change pas moi. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On se voit samedi. Est-ce qu'on va samedi? Je vous tiendrai au courant. Parce que samedi c'est un peu compliqué. Mais on va voir. Je vais essayer. Je vous tiens au jus. Regardez mon Twitter, je vous dirai ce qui se passe samedi. Et de toute façon, rendez-vous mardi prochain, quoi qu'il arrive. Et oui, absolument, pour des barres de rire grave. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Et faites les foufous. Je vous fais des bisous. Ciao.